qui avec vous doit nous foquer. Amen. Mon Dieu béni. Pour ce silence et pour nous capables d'entendre. Mes bien-aimés, la paix de Dieu, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes sur un grand thème qui est dénommé l'Évangile, c'est la suite sauvée quiconque croit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, on m'appelle Délice Gilis, c'est mon nom. Beno. Nous allons mettre accent sur l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est un mot commun qui vient du latin Evangelium, qui veut dire bonne nouvelle. Le thème utilisé plus de 75 fois dans le Nouveau Testament, c'est la bonne nouvelle que Dieu en Christ a accomplie. Les promesses faites à Israël et qu'une voie vers le salut a été ouverte pour tous. Bon Dieu béni. Alors, on dit que l'Évangile même, c'est une bonne nouvelle. Son bonne nouvelle, l'Évangile là est. Et bonne nouvelle ça, j'en tape si non. Bonne nouvelle ça, promesse avec Abraham. Bon, j'étais dit avec Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Bon, j'ai béni. N'a considéré verset que nous avons tiré maintenant, qui c'est dans Acte 16. Verset 30 à 31, mais nous sommes capables de sortir depuis verset 16. Depuis verset 16, là, il racontait que c'était Paul avec Silas qui t'a prêché bonne nouvelle. Et puis, tu as gagné une jeune mademoiselle. Qui te gagne l'esprit piton sous lit. Et lui a suivi monsieur durant plusieurs jours. Et dans verset 18 là, apôtre Paul qui fatigué avec mademoiselle là, et mademoiselle là a dit que monsieur Sayo, Monsieur Sao finalement a annoncé nous la voie de Dieu et sa petit. Et Paul qui ouais mademoiselle là et bien a dit ça pendant plusieurs jours. Bien que ça l'a dit en ta ouais que c'est bon bagaille qui t'a censé. Et finalement contre ça monsieur a dit mais apôtre Paul vitement détecté par animé avec un bon esprit. Et finalement, apôtre Paul, eh bien, chassé démon qui était dans la tête mademoiselle. Mais démon ça, t'es fait, eh bien, famille mademoiselle ça, eh bien, l'idée fait yo gen en pile moyen et là yo deux mois sous mademoiselle là ça veut dire que moyen yo kon joine par rapport avec deux mois ça té dans mademoiselle là c'est à censé on sous de gen sous ça censé ben fini et bien yo té et ben mettez main sur apôtre Paul et Silas
et yo te mené yo sous place publique là, yo batti yo, et puis yo mette yo dans prison. Le yo mette yo dans prison, et texte là dit que au milieu de la nuit, apôtre Paul cap chanté, il a prié. Et puis, il y a un tremblement de terre et qui passait. Et toutes les portes étaient bien fermées. Et messieurs, ils étaient mettés en chaîne. Et bien, toutes les portes étaient censées ouvrir. Et les chaînes étaient tombées. Et les gens liés, qui t'a dormi, les vies, les USA, ils prennent épée pour la tuer tête. Et apôtre Paul, et apôtre Paul finalement crié une voix forte et il dit nous là, il dit avec Julia, nous là, pas fait tout mal. Et monsieur Vin, il mettait à genoux devant apôtre Paul et Silas et il dit dans verset 30 là, il est et dans verset 30 là, il sortit et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur, Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est le thème, non? Mais, t'aimes bien aimé au tiré, n'a pas ça, ça c'est l'évangile. L'évangile, c'est la suprême puissance. L'ordre du suprême, ouais, on bagaille qui plus haut, qui plus élevé, bon, y'a bien, oui, puissance, y'a l'autre puissance. Mais puissance, est-ce qu'on comprend? C'est lui-même qui plus fort, ça fait que, on dit que Satan comme l'homme fort. Mais tout le parler de Jésus comme l'homme puissant. Bon Dieu bénoui. Ici là, apôtre Paul, eh bien, a donné l'esprit qui n'a pas de mademoiselle là pour le déplacer et il sortit quitter mademoiselle là. Je ne sais pas combien d'années l'esprit ça a été habité mademoiselle là. Et après, apôtre Paul, bon Dieu bénoui. Après, apôtre Paul lui-même, ça qui fait le cas chasser mademoiselle là, c'est par rapport avec puissance l'évangile là. Bon Dieu bénoui, ça même. C'est par rapport avec puissance l'évangile là. M'a tout bien, ça même. Une première grand danger. L'évangile là capable de délivrer l'homme. Et l'évangile là vient pour délivrer l'homme, c'est la puissance. La puissance de la mort. Bon Dieu bénou, oui. La puissance de la mort. C'est le premier bagage. Et si apôtre Paul dit, je lui ai crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'on monde finalement croit en Jésus, ce n'est pas ou même simplement l'évangile là qui a sauvé, non, famille ou tout. Bon Dieu, ben nous. Lui qui a sauvé, il a sauvé famille ou tout. Et après, tu as dit, l'évangile c'est la suprême puissance qui peut délivrer et sauver. T'aimes sauver, et pourquoi j'aime utiliser le côté qui bat les gens en danger. Bon Dieu, ben oui. T'aimes sauver à même. On dit que sauver, c'est faire échapper quelqu'un à quelque grave danger. C'est-à-dire que t'aimes sauver, et pourquoi j'aime utiliser t'aime ça, côté qui bat les gens en danger. Bon Dieu, ben oui. Et c'est ça, après, bien aimé, après réfléchi. Et après, vous venez avec slogan, ça a dit. Est-ce que vous comprenez pas ça?
L'évangile, c'est la suprême puissance qui peut délivrer, vraiment et sauver. Bon Dieu, nous, oui. Et ça te dit quoi? Il y a un plus grand danger. L'évangile là, sauver l'homme de lui-même, c'est la puissance de la mort. Bon Dieu, nous, oui. C'est la puissance de la mort. On dit que, n'a pas tourner à l'origine. Lorsque bon Dieu aime créer l'homme, non? Il crée toute bagaille avant pour l'homme, non? Et dit l'homme, non? Ou que nous avons mangé dans toute fruit qui est dans le jardin, mais de. Ou que nous avons mangé dans toute fruit qui est dans le jardin, mais que nous avons défendu, puis que nous avons mangé, puis que nous avons touché, puis que nous avons ça sont l'autre bon Dieu passé, l'homme. L'homme a bien pour le devoir pour le manger dans toute fruit qui est dans le jardin. Alors, dans le jardin, il a défendu et a dévi. Abde pour faire l'homme vivre éternel. Et chaque fois, l'homme mange dans le bien, eh bien, abde vient là pour rajeunir l'homme, pour l'homme pas jamais vieillir. Bon Dieu, ben oui. Eh bien, l'homme n'a pas de côté. Bon Dieu, l'homme n'a pas de côté. Bon Dieu, nous sommes capables d'aller plus loin pour nous dire comme ça que. Te gagné yon serpent qui est entré dans le jardin. Hein? Serpent dit Eve comme ça. Est-ce que tout bon vrai? Bon Dieu te dit, puis il a mangé dans toute pied boîte qui est dans le jardin. Ça. Eve répond niche. Bon Dieu dit, nous avons mangé dans toute pied boîte qui est dans le jardin. Ça, mais excepté. Est-ce que vous comprenez? Ainsi que, et, c'est pas ça qui est dans le jardin, c'est pas naïf qui est entré, non? Moi, je m'en dis que, serpent, ouais, Satan, prend forme serpent qui est dans le jardin, ça fait nous parler de sacrilège, stratégie satanique. Pas oublier que, élément ça, qui vient de devenir Satan, est-ce que vous comprenez? Monsieur, tu as un problème avec créateur déjà. L'un qui a un problème avec créateur déjà, eh bien, bon Dieu est obligé de précipiter monsieur à terre. Et lorsque l'entre dans le jardin, il vient gâcher plein bon Dieu pour monsieur. Zambim, monsieur, finalement, fait logique à Eve, il fait Eve manger fria, eh bien, Eve pote by Marie tout qui mangeait. Mais bon Dieu te dit, puis qu'à manger, te pour manger, l'ouap mourir. Eh bien, là, l'homme tombe dans le péché. L'homme mourit spirituellement. Et, apôtre Paul a expliqué la petite consacre que, au seul monde qui péchait, péché a ouvri porte, elle se comprend, pour la mort, et la mort éteint sous tout le monde net. Et dans verset 14, elle dit comme ça que même là où on ne peut pas pécher, même péché avec Adam. Mais on devient péché par rapport avec Adam qui était péché. Bon Dieu, ben oui. Eh bien, ça même. L'amour ça, nous parlons de l'amour ça, qui c'est l'amour spirituel. Et l'amour spirituel, là, qu'on y a la vie, ouvert porte, qu'on y a là, pour l'amour physique, qu'on y a. Qui t'aime tout bien, bon Dieu, pas de créer l'homme pour l'homme de mourir. Et c'est une condition que, est-ce que vous comprenez, qui fait bon Dieu obligé de voyager Jésus-Christ pour venir capable restaurer la vie éternelle que l'homme te gagne. Bon Dieu, ben oui. Dans Genèse, chapitre 3, verset 22. Genèse, chapitre 3, verset 22. Ma pauvre texte. Côté que, bon Dieu dit comme ça que,
L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu de nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternel. Ouais, bon Dieu dit, empêchons-le. Vous empêcher après le au pluriel, c'est pas bon Dieu simplement. On empêche l'homme pour le pas longer même pour le pas qu'il n'a abdéviant pour le pas vivre éternel. Ça veut dire que abdéviant est là depuis l'homme a mangé pour le faire vivre éternel. Et c'est une bagarre qui plus conséquent l'homme n'a perdu dans le jardin d'Éden, c'est la vie éternelle. Et qu'on y a là, bon Dieu qu'on y a là, vinre bail l'homme la vie éternelle là par Jésus-Christ. Et ça qui fait nous dit que plus gros danger, eh bien, l'évangile là, est-ce qu'on va être capable de délivrer au monde, c'est eh bien, la puissance de la mort. Et la puissance de la mort ça, on dit que il n'y a pas de sacré seconde mort. Et c'est lui-même qui condamnation. Bon Dieu bénoui. C'est lui-même qui condamnation. C'est que tout le monde est en général condamné en Adam. Et ça vient de parler de le plus grand danger. Est-ce que vous comprenez? Le plus grand danger, c'est que tout le monde est condamné en Adam. En Adam, tout le monde perdu en Adam. Quand il y a là, bon Dieu voyez Jésus-Christ vient mourir. Pour capable bail rebail l'homme la vie éternelle qu'il était perdu dans le jardin. Et que dans même Romain Romain chapitre 5 eh bien verset 17 m'a le texte à vous encore verset 17 à 18 de celle, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance et dit don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Verset 18, là, ainsi donc, comme par une seule offense, l'homme, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'éteint à tous les hommes. Vous voyez ça? Eh bien, par un seul monde, la mort, eh bien, t'es régné sur tout le monde en général. Par un seul acte de justice, la vie régnée sous tout le monde net en général. Et dans Jean 3, verset 16, son verset nous bien connaît, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Quiconque croit en lui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, qui croit en, eh bien, Jésus-Christ, eh bien, il n'a pas péri. Bon Dieu, ben nous. Et ça fait mal de sacrer le plus grand danger. Après, texte a dit, n'importe qui qui croit en Christ, il n'a pas péri, mais s'il n'a pas croit. S'il n'a pas croit, il déjà péri. Quiconque, n'importe qui, non. C'est vrai, bien aimé, bien dit, non. Dans le slogan, est-ce que vous comprenez? L'évangile, c'est la suprême puissance qui peut délivrer et sauver. Quiconque croit, n'importe qui croit. Est-ce que vous comprenez? N'importe qui croit, mais l'évangile a gagné assez de capacité pour être capable de sauver n'importe qui croit. Dans Jean chapitre 6, verset 40, Jésus, quand il a couché, il dit comme ça, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, bon Dieu,
quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Il y a des gens qui comprennent. C'est lorsque yo arrive dans le ciel là, il y a pas de si yo sauvé. Non. Bon, j'ai bien oui. Ou sauvé, c'est lorsque, eh bien, ou croit dans Jésus. De pour croire dans Christ, ou gagner sacré la vie éternelle. Bon, j'ai bien oui. Ou que l'on va prier sous tête ou pas, quoi, non? Alors, pas confondre. On va prier sous tête et quoi? Ou que nous va prier sous tête? Ou comme nous avons coutume? Lorsque nous avons converti ou prier sous tête, nous avons prier sous tête. Mais nous pouvons faire un compte avec Christ. Mon Dieu, nous avons prier sous tête, nous pouvons faire un compte avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Et l'on converti, si vous convertit tout bon vrai, et bien, vous prenez à l'ouest, vous convertit tout bon. Bon, Dieu, nous, oui. Parce que normalement, lorsque l'évangile rentre là, caillou, le Jésus-Christ rentre, est-ce que vous comprenez? Dans la vie au monde, normalement, la vie doit être transformée. Et ça, vous avez dit à Pep Corinth là, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Voici ce que sont devenus. Nous veux dire que normalement, les saluts entre la carte au monde, normalement, il faut qu'il change. T'es bien, oui, ça y a pas entre la carte. Ou t'es radio, toujours être radi. Ou t'es gonègue, ou toujours le gonègue. Et ça fait, l'évangile a son puissance, l'entrée entre la carte, capable de transformer. On dit bien, non, mais ça, mais. C'est seul l'évangile qui a fait ça. Non seulement libère la vie qui n'a pas fini. L'évangile. Premier bagage l'évangile fait, libère la vie. Bon Dieu ben oui. Lorsque vous avez une bonne nouvelle là, est-ce que vous prenez quoi une bonne nouvelle égale avec quoi dans Jésus? Lorsque vous avez dans Christ, eh bien, vous avez sacré là la vie. Ça c'est le premier bagage. Ça veut dire que, personne n'a pas Jésus, nous n'avons pas de temps pour nous parler de Dieu, nous n'avons pas de temps. Jésus-Christ vient restaurer ça l'homme qui a perdu dans le jardin. Bon Dieu, ben oui. Il n'y a pas encore ma foi détecter, dans le passage, ça, c'est pouvoir. Apôtre Paul vient pour le dire, mauvais esprit a déplacé et puis le déplacer. Et pouvoir ça, premier. Le bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, image les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Bon Dieu, ben oui. Là, après, nous savons comment on a créé l'homme. Il souffle le souffle de vie dans lui. Mais le bâtiment de l'époque, non. Il n'y a pas le pouvoir pour le dominer sur la terre. Non seulement, et pas la vie éternelle, seulement nous devons dire la vie éternelle, non. Nous devons dire la vie éternelle, premièrement dans la vie éternelle, mais deuxièmement, nous devons dire ça que sur tout. Et il y a une bagaille. Bon Dieu baille à de pouvoir sur les reptiles. Mais non, qui vient faire manger fruit défendu, bon Dieu bénoui. Comment faire? Bon Dieu paye Adam pouvoir sur la rue. Adam, pas de pouvoir pour compter carré. Et de Satan. Adam, reptile naturel là. Mais, ou après, c'est, eh bien, en de lumière, c'est lui qui entre dans ses bras pour qu'il vienne séduire l'homme. Non. Et pour ça, vous devez parler. Il pourrait parler avec cette nature spirituelle là. Et comment il est poussé tous les jours de la vie. Ou après, souvent, il pourrait le dire avec cette naturelle là, avec cette spirituelle là. Qui c'est elle mieux? Ma fait ennemi ou même ma femme. Puis, modèle dans ta l'homme. Ça veut dire que bon Dieu pourrait susciter.
Son prophétie, bon Dieu fait. Vous n'avez pas suscité le deuxième Adam qui pouvait craser tête, monsieur, qui pouvait rébailler l'homme, non seulement la vie éternelle, et pour voir ça, l'homme te gagne pour te dominer, pour le rébailler. Bon Dieu, oui. Et dans Luc, nous avons pris un peu de verset avant, dans Luc 10, Christ rassemblait 70 nègres. Christ voyait monsieur à le prêcher. Christ voyait monsieur à le prêcher. Et le monsieur retourné, monsieur retourne en joie. Monsieur dit Jésus comme ça. Dieu soumet nos noms. Dieu dit Jésus, même des mois soumet nos noms. Jésus dit monsieur, nous devons Satan t'a tombé comme éclair. Adam pas de pouvoir sous monsieur. Mais Jésus vient par nous autorité sous tête mi, bon Dieu bénoui. Et dans le chapitre 10, verset, je vous ai donné le pouvoir, le bon pouvoir de marcher sur le lion, sur la pique et sous toute la puissance. Christ rebaille l'homme, domination qu'il te perdit en Adam. Dans Luc chapitre 9, il rassemble les 12. Il y a une force, il y a un pouvoir sur toutes les démons, et il y a une puissance pour guérir les maladies. C'est-à-dire que Christ rebat nous pouvoir nous perdre, ou bien domination nous perdre dans le jardin d'Eden. Bon Dieu, ben nous, ils sont même. Kounia là, comment mon affaire qui a accès avec pouvoir ça. C'est lorsque vous acceptez Jésus. Et nous avons un bagage qui est important. Vous pouvez avoir un pouvoir ça en dedans. Bon Dieu, ben oui. Tenez bien. Les jours convertis à même. Non. Apôtre Paul dit. Après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile là. Bonne nouvelle. Entendu la parole de la vérité. L'évangile de vous. Vous avez été couillés. Et vous avez été stoppé dans de bonnes nouvelles là, ou quoi la donne? Cet esprit bon Dieu te promet là. Et l'étampé, il met un saut sous vous. Vous savez, les jours où les jours où on combat, c'est les fin baptisés, les ça, ils ont capté les amis. Est-ce que vous comprenez? Il a passé ou mourir, de vous convertir tout bon, ou des gens qui comprennent, c'est les baptisés, ils ont capté foncer des bagailles. Depuis qu'on baptise, il y a deux femmes, il y a quatre femmes, il y a cinq maris. Il y a toujours volé à faire moun. Non. Depuis qu'on finit converti, depuis qu'on finit accepté Jésus, on recevoir cadeau, bon Dieu te promet. La bonne venue qui c'est cet esprit-là. Et bon Dieu temple avec et temple. Tenez bien, oui. Pour avoir accès avec pouvoir ça, il faut dire que ou t'es connaissance ou prend. Ou connaissance ou t'es prend dans maman. Avec papa, mais qu'on y a là, ou connaissance ou prend dans l'esprit. Bon Dieu, ben oui. Il faut dire que ou accepte Jésus. Premier bagage, l'évangile l'a fait. L'irébon sacré, la vie éternelle que vous avez perdu en Adam. Et deuxième bagage, tenez bien, oui. Li restaure pour vous pouvoir que vous avez perdu. En Adam, li rebaoul par Jésus-Christ. Et c'est pour voir ça qui est dans l'apôtre Paul. Bon Dieu, ben oui. C'est pour voir ça qui est dans l'apôtre Paul. Qui fait l'apôtre Paul dit. Qui fait l'apôtre Paul dit. Démon, sorti sous mademoiselle là. Bon Dieu, ben oui. Et ça fait que nous-mêmes, il faut commencer à réfléchir nous-mêmes en tant que chrétien. Vous comprenez? Ou pas la fin convertie normalement pour en sèche. Non, je l'ai moi-même, mais moi mal à tout nous. Bon Dieu, nous. Nous avons un petit l'air en retard. Merci pour l'air quand même. Mais excusez. Bon Dieu, nous. Un petit règlement à ce qu'on a fait. Un petit règlement bagaté sans mi. Bon Dieu, nous. Tenez bien. Tenez bien, sans mi. Normalement,
accéder avec pouvoir ça, il faudra dire que ou accepter Jésus ou pas capable d'accepter Jésus comme si ou senti ou sans et même. Il y a une problématique qui gagne ou que la fin converti, c'est vrai ou c'est mon bon Dieu, oui, mais ou tellement préoccupé avec l'autre bagaille fait que ou est des fois ou sèche. Et ma part, il y a un moyen à apôtre Paul dit avec peuple Éphèse pour être capable de ranimer, pour être capable de remplir avec sa crèle, et mais pour voir ça. Dans Éphèse chapitre 5, apôtre Paul dit avec Bénébéo, au lieu pour nous sous les têtes nous activer. Ça veut dire que si nous avons un divin là, nous avons dit, au lieu pour nous promener par les blagues toute journée. Des fois, nous guettons, nous pas économiser tant. Vous avez nous, oui? Ou chrétien, ou nous avons passé toute journée, on pas fait rien. Mais ou pas jamais pour un petit temps pour aller côté bon Dieu durant la journée. Ou pas le temps de tout, mais ou pas le remplir avec l'esprit, ou pas le remplir avec, ou pas le avec la chair. Ou après, ou plus capable de mal. Vous avez nous, oui? Ou après, plus capable de faire mal que de faire bien. Et bien, après, je vais dire que mes Éphésiens, entretenez-vous pas des zimes. Vous n'avez pas besoin de remplir avec cet esprit. Et bien, entretenez-vous pas des zimes, pas des sommes, pas des cantiques spirituels. Ça, hymne, c'est quand il y a un rapport avec sacré la mort de Jésus. Lorsque m'a chanté à la croix où mourit mon sauveur. Est-ce que vous comprenez? En contemplant la croix bénie. Laisse ça, maintenant hymne. Bonjour bien, oui. Maintenant hymne qu'on y a. M'a chanté des hymnes, des cantiques spirituels, des sommes mon gars remplis avec cet esprit. L'évangile là tout capable de délivrer nous. Même Jean, bien-aimé de Dieu, l'évangile là capable de délivrer nous, c'est pas le capable de délivrer de tout péché qui a dominé la vie. Bon Dieu, bien-aimé, oui. Ou capable finalement de finir converti, mais au senti au grand péché qui a dominé la vie. Malgré converti, ou converti longtemps, ou avec chant d'esprit, pas empêché que des fois, ou qu'on péché qui a dominé la vie. L'évangile là capable, eh bien, délivrer. Est-ce que vous comprenez? En bas péché ça. Alors, n'a pas tout bien aimé? Ou même qui est converti déjà? N'a pas tout bien ou non en réalité? Vous avez bien aimé? Ou non en réalité? Même j'ai apporté Paul dit, j'ai pris un rôle de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu. L'évangile n'est pas en fable. Est-ce que vous comprenez? L'évangile n'est pas en fable. Ça veut dire que même qui croit dans l'évangile déjà, ou même qui croit dans la bonne nouvelle d'aller à Mabdou, eh bien, qui est là? Et ou même qui attendait là, mal vous converti, ou finalement, il y a un monde qui peut encore. Qui pourquoi là, n'a conseillé pour une responsable l'église. Et pour ça, tout le monde qui pourquoi là, n'a conseillé ça. Et l'autre bagarre qu'on a dit, l'évangile c'est le moyen, vous dites bien oui, l'évangile c'est le moyen pour moi avec réussir. Vous êtes comme ça? Ouais, chrétien pas qu'à réussir sans bon Dieu. Et même pouvoir ça n'a pas parlé, ouais, pouvoir ça, c'est avec pouvoir ça qu'on est capable de réussir. Bon Dieu, ben non, oui, ça même. Et même puissance ça, bien aimé, à dire l'évangile, c'est la suprême puissance ça, c'est même puissance ça. Ça même, pour capable réussir dans la vie, c'est même puissance ça pour pouvoir réussir. Ouais, samedi là, je pense que c'est ça, et c'est pour qu'on fait le bras le plus devant. Apôtre Paul dit à peuple Éphésiens, verset 3, verset 20, que par la puissance qui agit en nous, avec pouvoir, plus
Éphésiens chapitre 3 verset 20. Pour voir ça capable faire ça plus que ça nous demander et nous. Donc chrétiens ou qui intérêt et ou grand pile intérêt finalement pour capable et se remplir avec Sion qui n'en oua. Qui laisse faire comprendre plus que ça nous-mêmes. Nous t'a de faire comprendre. Qui laisse bénisse.